Welcome to the arena of the Ariane 6 Launch System Combined Test, a test campaign that is under ESA responsibility in the frame of the Ariane 6 development, but it is executed by a joint team of ESA, Ariane Group and CNES, responsible respectively for the launch system, the launcher system and the launch base development of Ariane 6. Hello, my name is Valérie. I'm a part of the Ariane 6 program team within Ariane Group, who is design authority for the Ariane 6 launcher. And I am in charge of the launcher system test, both in Kourou for the combined test of a launcher and here in Lampolshausen for the upper stage test of a launcher also. We are performing this test together with DLR and ESA. So I am Ariane 6 programs manager in this sense. So I am dealing with Ariane Group at program level. So for HFT3, I would say that I deal with the programmatic matters which are necessary between ESA and Ariane Group to make HFT3 possible. So all also contractual aspects. I'm the head of the Institute of Space Propulsion here at the DLR in Lampolshausen. I am responsible for the whole site also. And today we have a fantastic event, the test of the Ariane 6 upper stage. So today, I'm really very, very happy myself and very proud of all the team which have contributed within Ariane Group and also within DLR to the success of this test. And I'm really looking forward to have to have the same feeling I had today and to test this really nice energy for the first flight. Nous sommes au Centre spatial guyanais depuis lequel on réalise les essais combinés du système de lancement Ariane 6. Nous allons réaliser un essai aujourd'hui important qui rentre dans ces essais combinés. Je dis nous, c'est le CNES qui a été mandaté par l'ESA pour mener ces opérations. Mais nous ne les réalisons pas tout seuls puisqu'on y a associé Ariane Group et l'ensemble des industriels de la base de lancement et du programme Ariane 6 sont présents avec nous pour les mener à bien. Cet essai va venir compléter celui réalisé le 18 juillet dernier avec succès, qui a été jusqu'à l'allumage de la chambre du Vulcain et qui a permis de valider tout le processus opérationnel dans des cas nominaux et cas dégradés. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au démarrage complet du moteur sur une durée de 4 secondes afin de compléter les acquis de la précédente chronologie en caractérisant un certain nombre d'environnements thermiques, acoustiques et dynamiques. Les opérations ont débuté hier soir avec le remplissage du sous-système hélium liquide et ont été redémarrées ce matin. Et nous venons d'avoir le feu vert de la météo pour effectuer le retrait portique. Côté ULPM, on démarre les assainissements des lignes aval, des ouvrages d'étage et circuit de purge. VCO, VCA, pour moi. Ok, sauvegarde, tu me confirmes que la ZD est évacuée et qu'il reste que l'équipe portique? Oui, je te confirme. À l'écoute. Oui, je t'annonce la fin de l'opération. Sécurisation des stocks.
Comme Launch System Technical Manager pour Arianespace, je suis de très près cet essai d'allumage Vulcan du lanceur lourd européen Ariane 6, car chaque essai réussi nous rapproche de la mise en production du lanceur et donc des lancements au profil des clients satellites. Tous les critères sont bientôt ouverts. On est en train de se préparer pour la séquence synchronisée finale, le shaft. Et on est à moins 20 minutes de l'allumage du moteur. Et tout est nominé. Donc là, on arrive à 0-12 minutes. Donc on est en fin de chronologie négative avant l'allumage vulcain. Tous les moyens lanceurs sont prêts à entrer en séquence synchronisée. Dans 7-8 minutes, on va lancer la séquence synchronisée finale qui va être totalement automatique et qui va aboutir à l'allumage du vulcain. Donc là, nous sommes à une dizaine de minutes des essais et on monite sur ces écrans les paramètres de performance et de sécurité du système. On a les voyants au vert, donc on a le feu vert pour les essais. Today we have achieved a fantastic objective. We have completed the first full wet dress rehearsal. What does it mean? It means that we have simulated a launcher chronology with the preparation of the launcher and the simulation of the first part of a liftoff until the Vulcan ignition. This test complements the test performed already in July here in Kourou and comes a few days after the other big success that was the firing test of the upper stage of the Ariane 6 launcher performed by Ariane Group with DLR in the test center of DLR in Lampolthausen in the test bench P5.2. After the success of last Friday and the success of today, the development and qualification program doesn't sleep. It continues seamlessly with the execution of reviews in Europe and with the preparation already of the next test here in French Guiana, targeting finally the inaugural flight campaign that will also be the occasion of meeting the main player of the next phase of Ariane 6 lifetime, which is the exploitation, and this main player is Arianespace. So stay connected, stay tuned, and follow the Ariane 6 development. We will be glad to give you other good news soon with the next test here in Kourou and then the next test in Lampolthausen. Ciao! Rimanete sintonizzati, perché abbiamo ancora molto da condividere. Grazie per averci seguito. Ci vediamo presto.